Bonjour, bonsoir tout le monde. Son plaisir pour nous rentrer la caillou pour nous capable pour te baou. Yon nouvelle émission sous Chanel pour la Chanel Prophétia. C'est la parole prophète yo parlé. N'après possible série émission enseignement sous parole mondia la Bible avec pasteur Jean Stevenson Condé. Et je dis dans cadre d'émission ça, pasteur Condé praloué avec nous différence qui gagne entre évêque et pasteur. Nous connaissons dernier temps ça yo en pile nèg dit c'est bishop yoyé yo passé étape pasteur et pourquoi elle est là, c'est bishop yoyé ou pas gain droit l'église là pour parler yo bishop. Et ben pasteur Condé pral détailler pour nous différence qui gagne entre thème ça yo bishop ou bien évêque là et puis pasteur qui est un nèg bishop qui est un nèg pasteur. En nous tendre ensemble avec moi pasteur Jean Stevenson Condé dans cadre émission si là. Mes frères auditeurs, les amis d'Haïti et de l'étranger, quel que soit côté ou à côté jodi a, moi envoyer un cordial salutation pour vous et moi déclarer par pouvoir Saint-Esprit a, que la sagesse de Dieu entre dans vous, que le Saint-Esprit bon Dieu entre dans vous et qu'il dirige vous à toute vérité pour qu'assimiler enseignement que Jésus-Christ utilise et qu'il bâme droit autorité tant que pasteur appelé pour capable partager avec nous quel que soit à côté nous. Sujet nous aujourd'hui a, comme nous soutenons dans l'introduction a, et qui est-ce qui a dirigé l'église Jésus-Christ là? Et est-ce que femme ka pasteur dans l'église Christ là, qui qualité yon pasteur doit gagner, qui différence qui gagne entre biblique et doctrinal, le mot biblique et doctrinal, parce que gagne des bagages nous capable faire dans Bible là, gagne des actes cérémoniels, yo capable biblique mais pas doctrinal. Est-ce que gagne différence entre évêque, ça nous relé bishop en anglais, et pasteur. Donc si thème ça yo, question ça yo, moi pral aborder pour nous sous différents angles. Et moi salue nous encore une fois dans nom Jésus-Christ qui a tout pouvoir, c'est frère nous, le pasteur Stevenson. Première question, qui est-ce qui a dirigé l'église Jésus-Christ là? Comme moi t'ai dit précédemment dans vidéo qui passe là, le mot église vient du grec ecclesia qui signifie ceux qui ont été appelés du dehors. Premier ça pour nous connaître, on a parlé de l'église. C'est que l'église dans l'Ancien Testament pour qu'on gagne l'église nous vient joindre l'église. Le mot église utilisé pour première fois dans la Bible c'est dans Matthieu 16 verset 18 et l'utilisé au futur. Et l'église va commencer dans Actes des Apôtres chapitre 2 dans la prédication de l'apôtre Pierre. Gagne 6 périodes dans développement l'église là. Mais période qui intéresse nous c'est l'église persécutée. Ça veut dire l'église primitive. Dans l'église primitive, c'est l'église ça nous voit qui dans Bible là. Li initié dans Actes des Apôtres chapitre 2, li a terminé juste dans livre Apocalypse là. Après, on va joindre dernier apôtre qui pral mourir, c'est pral apôtre Jean qui écrit livre Apocalypse là, qui écrit les trois épîtres de Jean et qui écrit aussi OK l'évangile selon Saint Jean. Apôtre Jean ça, il était le disciple aimé de Jésus-Christ. Donc dans l'église ça, il te gagne une caractéristique que je ne veux dire n'a pas l'église nous gagne kounya qui c'est l'église moderne, OK, il pas respecter caractéristique ça. Tout monde qui était dans l'église ça yo, yo monde qui était plus riche là, il te connait vendre ça qu'il te gagne et puis kounya là pour te capable partager avec l'autre monde qui dans nécessité. Et ça fait dans mitan moun sa yo, pas gen moun pour konn gen moun ki indulgent, pas konn gen moun ki pa ka manger, pas konn gen moun ki dans pauvreté. Mais je dis malheureusement noue, c'est pasteur yo kap riche, c'est dirigeant l'église yo kap riche et puis moun ki vin l'église là, parfois gen doit grand goul, gen doit besoin rad. Pour la pour même vin l'église là, li pa ka joine. Donc noue c'est différent de mode l'église nous gen jounen jodi a. Et l'église ça, nous te gen dans temps primitif là, ki jan te rele. Et li pat l'église catholique, li pat l'église adventiste, li pat l'église pentecôtiste, li pat l'église baptiste. Donc moi invite nous faire une recherche sur histoire toute église ça. Et moi même plus particulièrement dans prochaine vidéo, moi capable venir avec histoire chaque grande église ça
pour nous savoir qui côté au sorti. Parce que l'on prédicateur a prêché l'évangile, les dîles sont prédicateurs adventistes, les grandes doctrines qu'il baou, ou bien son mormon, ou bien son témoin Jéhovah. Donc, il faut que vous connaissez qui côté au sorti. Vraie l'église, qui vraie l'église tout bon, l'église de Jésus-Christ. Parce que dans Matthieu 16, 18, Jésus-Christ dit, Pierre, tu es Pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, si Jésus-Christ dit, je bâtirai mon église, donc c'est l'église de Jésus-Christ. Nous connaissons que la déité de Jésus-Christ est prouvée dans la Bible. Ça veut dire Jésus-Christ est Dieu. Puisque Jésus-Christ est Dieu, si on dit église de Jésus-Christ ou dit église de Dieu, c'est la même chose. Et vous apprenez, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 1 et 2 Corinthiens chapitre 1 verset 1, l'apôtre Paul a écrit à l'église de Dieu qui était à Corinthe pour régler des désordres, des différends entre les frères, les sœurs et les dirigeants de cette église-là. Donc, l'église a des caractéristiques. Question que je vais répondre pour nous, est-ce que femme est qu'à diriger l'église Jésus-Christ là? Est-ce que dans l'église primitive ça, moi dis nous, qui dans la Bible là, et depuis Actes des Apôtres, j'écrivais dans l'Apocalypse, est-ce que dans l'histoire de l'église ça, tu as une femme pasteur qui t'a dirigé l'église là? Parce que qu'on y a nous, et à travers le monde entier, plus particulièrement même dans le pays nous, Haïti, nous avons un paquet de femmes qui dit que c'est pasteur, oui. Mais est-ce que femme ça yo Jésus-Christ relé au vrai? Est-ce que dans vraie l'église Jésus-Christ là, ou bien l'église de Dieu, est-ce que il y a fait femme pasteur, femme à enseigner, femme à bailler pile révélation là-dedans? C'est très important et c'est ça que moi va aborder pour nous là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, même les Ancien Testament pas de gain l'église, mais il y a un prédicateur ou bien un pasteur pour le capable bien enseigner peuple de Dieu là. Faut li maîtriser Bible de Genèse à Apocalypse et faut qu'il maîtrise plus particulièrement la théologie de l'Ancien Testament. Faut qu'il comprenne exactement qui Jean Saté dans l'Ancien Testament. Donc, nous capable aller dans l'Ancien Testament pour nous voir est-ce que depuis l'Ancien Testament et est-ce que tout bon vrai, bon Dieu te connait bailler la femme droit tant comme pour enseigner la loi. Ou bien pour enseigner parole bon Dieu et dans ta prophète yo, ou du moins dans temps de l'Ancien Testament. Parce qu'il faut nous essayer de comprendre le rôle la femme dans le service bon Dieu, dans le tabernacle, etc. Donc, nous prenons que tu as plusieurs mouns qui te travaillent dans l'Ancien Testament. Nous avons les Lévites, nous avons les scribes. Puis devant, après 3 déportations à Babylone, nous prenons les Sadducéens. Nous prenons les pharisiens. Nous capables que scribio c'était yo toutes ces garçons qui ont été. Donc yo même, yo étaient responsables pour yo arranger les saintes écritures ordre par ordre, traduction, ponctuation etc. OK. Yon lévite, rôle yon lévite était responsable adoration dans temple là. Lévite là, c'était de yon jeune garçon qui en bon point, ça veut dire qui bien campé, qui était sans défaut etc. Dans la troisième branche, nous avons un souverain sacrificateur. Souverain sacrificateur à lui-même, Wally, c'est pour te enseigner le peuple à la loi et c'est pour te cas, en quelque sorte, les livres loi, même avec scribe là qui te gagne même autorité à tout. C'est ça que fait dans le livre Esdras là. Napoué Esdras, c'était un scribe lité. Si nous lisons Esdras chapitre 8, le verset 5. Esdras c'est ton scribe, c'est ça qu'il faut elle te récompiler toute écriture après déportation à Babylone pour être capable enseigner peuple à la loi. Mais depuis dans l'Ancien Testament, pas de jamais te gagne une femme qui te connait souverain sacrificateur ni qui te connait enseignement parole bon Dieu. Et si nous venons entrer dans l'époque synagogue, nous venons les sadducéens, les scribes et les pharisiens, pas de jamais te connait une femme dans mitan yo qui te connait faire enseignement. Et moi pral pour vous, Sam Abdoulala, dans un verset même de l'Ancien Testament qui c'est Malachi, chapitre 2, le verset 7. L'Abdou, les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Ou elle dit les bouches du sacrificateur. Il va dire les lèvres du sacrificatrice. Non. Parce que travail, enseignement, li la loi, depuis dans l'Ancien Testament, c'est garçon que bon Dieu te baille
régler job ça. Nous voyons que gen des moun qui mal comprennent par manque d'études bibliques, par manque de connaissances théologiques, par manque de d'orientation du Saint-Esprit. En pile femme journée jodi a ki pasteur pour ka prouver et erreur, pour ka prouver péché a ben là-dedans. Non? Yo prend exemple de Déborah dans l'Ancien Testament. Pour yo faut comprendre que Déborah était prophète, il était kon c'est un leader qu'il était. Donc yo même yo ka pasteur. Premièrement, faut nous changer qui me dit nous dans l'Ancien Testament pas de pasteur. Et gen différence entre pasteur et prophète. Yon prophète li supposé gagner une mission, un vrai prophète, bon Dieu supposé ba li une mission. Li supposé en quelque sorte gagner ça relé un ministère prophétique bien entendu. Et puis prophète là tout lui-même, li gagner un ministère prophétique, ça veut dire la baie prophétie et puis il finit. Un prophète pas forcément un enseignant de la Bible. Et dans temps juge là, si nous fait ça relé exégétique du livre de juge. Te gen yon problème décadence, yon désordre en Israël sans pareil. Côté que pas de gen moun qui était capable organiser peuple là. Donc bon Dieu, dans milieu peuple là, il t'a levé des moun qui gen la foi, qui était capable en quelque sorte des leaders. C'est ça qui fait te gen 15 juges qui t'est levé là-dedans yo, nous vinn joine Déborah qui était en femme parce que et Balak lui-même, il pas en quelque sorte capable et gen assez la foi et puis Déborah t'est vinn camper. Mais est-ce que Déborah c'est ton professionnel qui est dans la loi? Non, il n'est pas ton professionnel dans la loi, il n'est pas qu'on a rien à faire enseignement. C'est même là avec Samson tout, qui n'est pas qu'on a rien. Loi prend un juge Jephté, Jephté n'est pas qu'on a rien. Tout c'était dans l'époque livre juge là. Donc, les ouvert Bible livre juge là, j'en que me démontrer nous, chaque livre dans la Bible là, il y a une histoire, il y a une circonstance bien déterminée. Donc, nous pas qu'à entrer dans la Bible, nous prenons exemple à gauche à droite et puis pour nous prouver l'erreur qu'il a fait. Donc, moi, je voulais faire nous comprendre ça. Donc, nous avons pris exemple Déborah pour le faire comprendre que pasteur, femme, li ka pasteur, ce n'est pas vrai du tout. C'est un très, très, très mauvais exemple, un faux exemple qu'il a baou. Donc, si nous entrons toujours dans le Nouveau Testament, nous allons dans Actes des Apôtres, côté que l'Église a commencé, nous allons dans Actes des Apôtres, chapitre 18. Nous avons dans Actes des Apôtres chapitre 18 le verset 2 l'abdi où il y trouva un juif nommé Aquilas originaire du pont récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome il se lia avec eux là nous apôtre Paul depuis dans Actes des Apôtres 18 verset 1 qui a voyagé à Corinthe et puis il y rejoint un certain Aquilas avec madame ni Priscille. C'est deux moun sa yo qui te gen même métier avec apôtre Paul et ou pral wè Priscille avec Aquilas sa yo pral rencontrer yon jeune grec qui est Apollos qui ton grand discoureur ça veut dire moun qui konn parler mais la Bible rapporte dans même Actes des Apôtres là que Apollos il te konn seulement le baptême de Jean-Baptiste il pas connaît le baptême de Jésus-Christ donc Aquilas avec Priscille pral enseigner OK Apollos le baptême de Jésus-Christ. Il va l'enseigner, il va l'enseigner l'évangile là et tant que tel bien entendu. Mais pas gain aucun côté dans Bible là qui prouve que Priscille qui était madame Aquilas, il était un pastoresse, il était dans l'église qu'il t'a dirigé, ni tout t'a fait enseignement en dans l'église, ni tout était pasteur. Non, ou pas jamais moi ça prouvé dans la Bible, mais tout simplement yo dou li même avec Maril Aquilas, c'était deux moun qui était gain même métier avec apôtre Paul et yo t'ai rencontré avec Apollos. Et bien, il était exposé à Apollos quelques vérités qui dans la Bible sous sujet baptême de Jésus-Christ et la doctrine de Jésus-Christ, etc. Si nous continuons toujours dans la même histoire de l'Église, là, l'Église primitive, parce que, changez bien que moi dis nous, il est important pour nous noter ça, pour nous Kembel, que l'Église, nous, qui dans la Bible, c'est l'Église primitive. Ça veut dire depuis deux Actes des Apôtres à Apocalypse, donc c'est l'église primitive. Donc, Kounia n'a pas entré dans l'épître de Paul aux Romains. Côté que l'épître de Paul aux Romains, il y a pour thème central la révélation de la justice de Dieu. Si nous allons dans le chapitre 16 là, côté n'a pas que l'apôtre Paul pral terminer l'épître aux Romains, parce qu'il est dans le 16e chapitre là, et l'épître aux Romains, c'est 16 chapitres qui gagne. N'a pas qu'il y a pour titre recommandation, salutation et vœux. Donc, dans Romains chapitre 16, verset 7,
nap wè apotre Paul voye salutation à deux moun. Li di, salye Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Verset ça, son verset que mesdames yore me prend pour yo bay moun menti, pour passer moun nan farine, pour yo faire moun comprendre à partir de verset ça. Donc, yon femme capable pasteur, parce que là nous gagnons Junias qui était yon femme, OK, qui était apôtre. Mais pour yo même ça veut dire apôtre, li pi wo que pasteur. Donc, si yon femme ka apôtre, donc li ka pasteur. Donc, verset ça pour nous ka gagnons une vraie compréhension et yon vraie étude sou li, yon vraie lumière faite sou li. Faut que nous premièrement connaît exactement qui ça yon apôtre yé. Yon apôtre, c'est un missionnaire ou bien un envoyé. C'est-à-dire que dans 70 disciples que Jésus-Christ a voyé dans Luc chapitre 10, yo, donc tout c'était apôtre yé. Donc c'est clair qu'il y a des femmes là-dedans. Donc apôtresse femme ça yo, depuis yo accompagné l'autre apôtre yo dans mission, hein, yo allant ensemble avec yo. Donc yo même yo à travers les rues yo capable prêcher moun l'évangile à travers le rio capable dou Jésus-Christ après retourner donc c'est apôtre yo depuis ou déplacer par exemple yon dame missionnaire qui sorti dans yon parti Haïti gal dans l'autre parti son apôtre li parce que mot apôtre là li signifie missionnaire et apôtre pa vle di ke ou pi wo ke ni yon pasteur ni yon docteur ni yon prophète ni yon évangéliste mais nous même nous toujours vle tant comme titre c'est ça qui fait en pile moun ap di yon apôtre parce que les rele moun apôtre li comprendre que ça veut dire que son titre li gen mais devant Jésus-Christ de Nazareth tout moun égal ego pa gon ministère ki pi wo ke yon lot. C'est ça que fait Jésus-Christ dit moun ki senti que li pi piti a, c'est lui même ki pi grand nan royaume ni. Ça veut dire dans l'église là moun ka pouvè porte ka nettoyer a, c'est lui même ki pi grand ke pasteur a, ki moun ka fè enseignement. Ça c'est d'après Jésus-Christ, même que d'après les hommes c'est pas comme ça lié. Donc Andronicus et Junias, Junias c'était juste yon missionnaire, OK, qui était kon accompagné Maril Andronicus bien entendu parce que gen des études qui fait yo dit deux moun sa yo c'était mari et femme qui ont été donc quoi pour apôtre Paul a dit que Junias là lui-même c'était compagnon l'été et l'elle était tombé dans prison donc il était qu'on marcher prêcher l'évangile ensemble avec apôtre Paul mais c'est pas en quelque sorte enseignement que Junias était qu'on bail en dans l'église. Mais c'est un missionnaire. Comme moi, apôtre là, c'est signifie missionnaire et envoyé. Ou apôtre Paul mentionne Junias comme étant une apôtresse. Donc là encore, verset a pas prouvé que femme qui a apôtre qui a fait enseignement ni femme qui a pasteur. Parce que dans l'église primitive, si n'a prend tout apôtre qui était qu'on a posé doctrine l'église, n'a prouvé que y a pas de jambe t'es qu'on apôtre femme. Qui écrit aucun épître, ni épître aux Corinthiens, c'est Paul, épître aux Galates, c'est Paul, 1 Jean, Pierre, ou après tout, ces garçons ont été. Donc, il faut que nous clair pour ne pas tomber dans confusion avec mauvais enseignement, que, et mesdames, nous avons pour prouver, et nous sommes capables d'apôtresse. Ou bien nous sommes capables, pasteur, à diriger garçons. Si nous allons dans Galates, chapitre 3, verset 28, Galates, chapitre 3, verset 28 dit, il n'y a plus ni de juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Verset ça, en pile pasteur garçon qui a appuyé mesdames yo, dans vie direction à prendre, qui a dit que c'est pasteur, il aurait même utilisé verset ça pour dire que pas de différence entre juif et grec, pas de différence entre femme et garçon, pas de différence entre esclave et libre. Ça veut dire même genre garçon, hein, li ka pasteur, femme ka pasteur tout. Yo prend verset ça, yo déformé pour yo ka fò konprann, pour yo ka bon mensonge ça, faux enseignement ça. Donc je dis ya, m'a dit nous comme ça que verset ça, li pas appliqué à moun ki ka vinn diriger l'église Jésus-Christ là, mais li appliqué, c'est un verset qui appliqué qui a une relation pour lui avec le salut de l'homme. Ça veut dire, devant Jésus-Christ, pour un monde entrer dans le royaume ciel là, qu'on y a dans l'église là, pas gain à faire ni juif,
pas gen affaire ni grec, pas gen affaire ni femme, ni garçon, ni esclave ni libre, de pour accepter Jésus-Christ, nous tous nous vinn tourner un seul corps, donc nous tous gen droit au salut. Et pour qui ça apôtre Paul te dit ça? C'est parce que dans les églises de la Galatie, te gen un pile faux docteur qui te vinn à bailler doctrine la loi, circoncision, différence entre femme et garçon, etc. Donc apôtre Paul dit kounya, puisque c'est dans l'église nous y est, parce que mot l'église signifie ceux qui ont été appelés du dehors. Donc pas de différence entre femmes et garçons. Donc nous toutes nous qu'a sauvés depuis nous accepter Jésus-Christ, nous baptiser, nous pas suivre la loi. Donc nous rentrer dans le ciel là sans aucun problème. Donc c'est ça verset a dit. C'est pas dit dit que femme qu'a dirigé, femme qu'a vienne pasteur. Puis devant nous bras ouais, ça pique là. Les nous aller dans l'épître de Paul à Timothée, Timothée chapitre 1er. Les versets 11, ou après la clé, là, et apôtre Paul rempli du Saint-Esprit, l'a dit, ok, que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Ça veut dire clair là que apôtre Paul rempli du Saint-Esprit, c'est pas apôtre Paul qui dit ça, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui dit ça. Si nous considérons que toute Bible là est inspirée par le Saint-Esprit. Et la différence qui vient en partie ça, ou apôtre Paul pas dit là, c'est lui-même qui a parlé, mais il dit ça sans le pas faire et remarque ça. Donc, il dit, il pas bay femme droit pour enseigner et il pas bay femme droit pour prendre autorité sur garçon. Mais femme n'a de demeurer dans le silence. Ça veut dire la femme pas rien doit entrer dans l'église pour le pasteur, pour la diriger, pour la prendre autorité sur garçon. Et nous toutes connaissons que les hommes moun pasteur, li gen autorité dans l'église là. Ça le dit c'est ça, c'est lui qui a dirigé tout le monde, l'argent l'église etc. Et apôtre là, inspiré par le Saint-Esprit, il a des raisons. Il dit premièrement c'est Adam qui t'est fait avant. Deuxièmement c'est Ève qui péchait et qui rend tête les coupables de transgression. Moi-même, c'est ça qui fait moi la Bible, parce que la Bible lui explique tête les pour contre lui. Meilleur traducteur de la Bible, c'est la Bible la même. Ça veut dire, si nous étions dans confusion, dans la fait femme pasteur qui a monté sur YouTube, qui a venu dans Haïti prophétie, qui a dit que, et il y a une vision, il y a une révélation, il y a une prophétie, c'est pasteur, moi, je ne suis pas responsable, parce que à la lumière de la parole, moi, éclairci toute bagaille pour nous comprendre qui est-ce qui a pasteur, qui est Jésus qui choisit pour pasteur, à qui est Jésus-Christ pas choisi pour diriger l'église. Li. Si nous arrivons, descendre plus bas toujours, dans même. Et 1 Timothée chapitre 2 a qu'on a nous parler dans 1 Timothée chapitre 3. N'a pour dit nous comme titre les devoirs des évêques et des diacres. Apôtre Paul a dit cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Ou elle dit mari d'une seule femme, mais elle pas dit en femme d'un seul homme. Ou elle dit sobre, modéré, régler dans sa conduite hospitalier propre à l'enseignement. Qu'on a si nous t'apprend et qualité ça yo que yon pasteur ou bien yon évêque de gain parce que dans Bible là mot évêque li c'est synonyme pasteur. C'est ça qui fait nèg qui vient rele tête li bishop qui dou c'est bishop li et qu'on a li ti pasteur et puis il fait ordination met tête li bishop. Donc c'est faux parce qu'il était déjà et bishop déjà il était déjà évêque déjà. Ça veut dire qu'on a si li mette tête li bishop. Donc c'est pour le cas mettre un titre en plus qu'on y a pour l'homme remè grade, vous comprenez? L'homme remè grade, l'homme remè titre pour moun capable en quelque sorte et plus gain en considération. Mais des pour pasteur ou déjà évêque. Donc évêque là supposé irréprochable, hospitalier propre à l'enseignement. En nous retenant propre à l'enseignement. Si pour un évêque, ça veut dire pour le pasteur faut propre à l'enseignement. Et puis dans verset 11 là, on a verset 12 là, 1 Timothée chapitre 2 verset 12. Apôtre Paul inspiré par le Saint-Esprit, il dit je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Donc si bon Dieu pas bail femme enseigner et puis dans qualité avec là dans 1 Timothée chapitre 3 verset 2, il supposé qu'à enseigner. Donc ou est femme pas qu'à enseigner ou est femme pas qu'à pasteur parce que pour enseigner en dans l'église. OK, faut que son garçon pouyé. Donc bon Dieu lui-même même, puis gros révélation nous gagne, c'est parole là, c'est Bible là.
Ça veut dire en dehors de la Bible, nous pas qu'à dire que nous-mêmes nous font révélation, un rêve quelconque et puis nous dit que nous pasteur un bon matin nous lever et puis nous ouais femme a fait bruit dans la radio dans la télévision, il a dit c'est pasteur oui. Ça veut dire toute femme ouais qui pasteur à travers le monde, yo accaparé yo avec des démons qui relaient des démons guerriers. Et mais c'est démons guerriers ça qui entre dans yo, qui fait vous comprendre que ces garçons yo yé, qui fait ouais yo capable en quelque sorte de se pasteurier. Mais selon la parole, à la lumière de la parole, li clair que la femme pas capable pasteur après autorité sous l'homme à diriger l'église. Donc toute l'église côté nous est question femme qui pasteur qui diriger son fausse église liée et tout le monde qui vient dans l'église ça ou en bas autorité Satan parce que c'est Satan même qui mettait femme ça à diriger l'église. Même les femmes n'ont guère pile onction. Li étudie théologie bien entendu, li comprend Bible, mais Jésus-Christ li juste pas d'accord pour une femme diriger l'église par là que lui-même li était mort pour lia parce que c'est Adam qui t'est fait avant et puis Ève ensuite. Et si nous li dans livre Ecclésiaste là, il dit que li chercher entre 1000 garçons, li joine youn qui bon, mais dans toute femme qui sous la terre, li pas joine youn qui bon du tout. La femme sont être qui faiblie. Donc, les la femme a dirigé et puis il y a un don spirituel, c'est facile que mauvais esprit entre dans lui et puis il fait l'abdou série de bagages et puis il déroute dans route là. Et puis nous, mesdames, il y a un principe, par exemple, pendant ce temps, il y a un pasteur femme aussi tout, où il n'y a pas jamais dépouillé. Il y a toujours avec gros tresses sur la tête, il y a un pantalon sous chair, il y a un bijou sous yo, il y a un bagage. Nous connaissons que. Il y a monde qui dit que l'évangile pas mettre bijoux, c'est l'évangile haïtien, mais c'est pas vrai du tout. L'aime li dans bible anglais, moi joine même bagaille que joine dans bible français et dans bible créole là. L'aime li dans bible allemand, moi joine même bagaille. Donc si nous regardons 1 Timothée chapitre 2 verset 9, il dit je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie, ne se pas ni de tresse ni d'or, ni de pelle, ni d'habits somptueux. Ça veut dire, mesdames, dans l'église là, yon pas de tresse cheveux. Parce que l'autre tresse cheveux, ok, ou bay capacité pour des démons entrer dans la vie. Ou pas de percer ses oreilles pour gagner en eau, ou pas de mettre qui texte, ou pas de mettre faux ongles, bagay ça ou pas pour chrétien. Et si nous allons dans le livre Ecclésiaste chapitre 3, verset 14, là, l'abdou tout ça, bon Dieu fait parfait, donc vous pas besoin ajouter un rien sous. Donc si vous sont femme de Dieu, ou fait profession de servir Dieu, ou sont chrétienne, bagay ça ou pas pour. Alors, moi, tout ouvert, petit parenthèse là, pour nous capables de comprendre. Et exactement qui ça que moi voulais passer dans l'enseignement. Donc, c'est très important pour nous capables en quelque sorte capables de faire différence entre tout le mot biblique et doctrinal. Parce que pour nous capables de diriger tête nous, dans la vraie l'église Jésus-Christ là, faut que nous gagnions connaissance. Et nous, Osée 4, verset 6, prophète l'a dit, mon peuple est détruit par faute de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejeterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as abandonné ma loi, la loi de l'Éternel ton Dieu, ok, j'oublierai aussi tes enfants. Donc c'est important pour monde qui est intéressé à Jésus-Christ pour chercher comprendre la Bible pour gagner connaissance. Là nous dit un bagage biblique. Biblique signifie que li nan Bible. Par exemple, si nous allons dans la peine de mort, nous est la peine de mort biblique. Si nous allons dans la polygamie dans l'Ancien Testament, nous avons Abraham te gen deux femmes, te gen deux madames, nous avons roi David te gen plusieurs femmes, roi Salomon te gen plusieurs femmes. Donc les bibliques, ok, parce qu'il dans la Bible. Si nous allons tout, ok, dans offrande qui est offrie sous l'autel pour monde qui péché, tabernacle. Si nous allons tout, ok, dans le sabbat par exemple. Le sabbat que nous est adventiste kembe, nous allons dans l'ouvène lune parce que moun k'ap pratiquer loi li supposé pratiquer le tout entier. Si adventiste dit sabbat mais et faut que li dans nouvelle lune tout faut que li fait circoncision. Donc nous connaissons que nous pas sous la loi, nous sous la grâce. Donc tout bagay ça yo dans Bible là, ça veut dire biblique mais yo pas doctrinal. Qu'est-ce que mot doctrinal signifie? Mot doctrinal li signifie que li dans la saine doctrine de Jésus-Christ. Donc, puisque il est dans la saine doctrine de Jésus-Christ, donc il est doctrinal. Qu'est-ce que le mot doctrine signifie? Le mot doctrine signifie enseignement. Donc, dans l'église Jésus-Christ, là, ok, pas gain à faire femme pasteur, pas gain à faire circoncision,
pas gen à faire sabbat, pas gen à faire offrande de culpabilité, pas gen peine de mort, pas gen à faire polygamie. Ça veut dire dans l'époque n'a vivre là n'a vivre dans époque l'église, si nous voyons nèg dit c'est prophète ou bien c'est pasteur, il y a plusieurs femmes, donc nous pas qu'à considérer nèg ça comme un serviteur de Dieu parce que il pas doctrinal, il pas en quelque sorte en rapport avec la doctrine de Jésus-Christ. C'est ça la différence entre biblique et doctrinal. Donc yon bagay gen droit dans Bible là, OK, il pas doctrinal. Par exemple la dîme par exemple. La dîme li dans l'Ancien Testament. Mais ou pas jamais à partir de Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse, ou pas jamais côté yon apôtre t'ap mandé la dîme. Mais li mandé offrande, li mandé la collecte pour aider chrétiens. Kounya si yon pasteur fait chrétien payer dîme, li met ton enveloppe pour payer dîme ou même volontairement ou vle payer 10 parties dans revenu, soit dans rad ou dans l'argent, pas gen problème ou ka payer. Mais ou fait le volontaire, c'est pas obligatoire dans ta église là. La dîme n'est pas doctrinale, mais la dîme est biblique. Si nous allons depuis dans Malachi chapitre 3 verset 10, ou après pasteur remet prend la partie de verset 8 et puis on revient dans verset 10 là pour faire mon pays dîme. Mais pour qu'à comprendre passage biblique ça, faut commencer lire à partir de Malachi chapitre 6. Ou après que prophète Malachi, li pas t'a parlé avec l'église parce qu'elle est à l'église pas de cours a existé, mais il t'a parlé avec peuple Israël là qui t'a trompé le Seigneur dans qui ça dans dîme et dans offrande. Donc si nous faisons une courte lecture dans le livre de Malachi, n'a essayé et lit avec moi et n'a essayé comprendre ça m'a dit là. Donc Fok pasteur a li commencé li à partir de Malachi chapitre 6. Ou après l'a dit car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Ça veut dire, ouais, l'Éternel a parlé à qui est-ce, à peuple Israël. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites en quoi t'avons-nous trompé dans les dîmes et les offrandes. Ça veut dire c'est peuple Israël là qui a trompé bon Dieu dans qui ça dans dîmes et offrandes. Et apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il n'y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Là, on a point dans verset 10 là. Et pour faire la mandé pour porter dimak offrande dans maison des trésors, OK, et puis bénédiction a tombé sur peuple là en abondance. Mais à qui est-ce la parler là? La parler avec OK, peuple Israël là dans la théologie de l'Ancien Testament, dans le sacerdoce lévitique, dans la loi de Moïse. Mais dans l'église Jésus-Christ là, pas gain à faire payer dîme, ça veut dire dîme obligatoire. Donc un pasteur qui a toujours metté une enveloppe, il dit c'est dîme dans l'église là. Donc ou même ou pas payer obligatoire c'est pour obligation mais bon Dieu qui a touché quand ou payer dit ou retirer 10% dans salaire ou bail comme ça tout ca bail 20% ca bail 30% ou ca bail 50% ca bail tout même mais la dîme n'est pas doctrinale c'est même gens tout nous wè dans Matthieu dans Marc nous wè pharisiens ou dit ou payer dîme yo payer toute bagaille donc yo pas péché devant loi l'Éternel là et ben dans Matthieu pour qu'on gagne l'église nous t'est toujours sous la loi de Moïse dans Marc pour qu'on gagne l'église dans Jean pour qu'on gagne l'église dans Luc pour qu'on gagne l'église donc l'église commencer c'est à partir du livre de l'acte des apôtres qui différence qui gagne entre évêque ça yo les bishop en anglais et pasteur donc m'a dit nous premièrement pas gagne différence entre évêque et pasteur, parce que deux mots ça dans la Bible là c'est synonyme yoye. Ça veut dire quitte ou dit évêque, quitte ou dit pasteur, c'est la même chose. C'est ça que fait, moi sous lui avec, dans 1 Timothée chapitre 3, les versets 1 à 2, apôtre Paul dit il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Ça veut dire il faut que okay, le pasteur soit irréprochable, mari d'une seule femme. Donc c'est ça. Et là, il y a un livre. Titre chapitre 1er ou li verset 1er a continuer ou après la parole de évêque donc yo rele ça les occurrences du mot évêque OK dans le Nouveau Testament
Occurrence yon mot, c'est combien fois mot a l'utilisé dans la Bible. Si nous allons dans Actes des Apôtres chapitre 20, le verset 28, l'apôtre Paul dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour perdre l'église du Seigneur qu'il est acquise par son propre sang. Ça veut dire, ouais, ok, l'apôtre Paul dit, Saint-Esprit a établi mon évêque. Ça veut dire pasteur. Donc, dans la Bible, il y a trois mots qui sont synonymes. C'est ancien, c'est pasteur, c'est évêque. Yon ancien, c'est un évêque. Ou yon pasteur, c'est un évêque, ils sont anciens. Ça veut dire yon ancien, li défini comme étant une personne d'expérience dans la foi chrétienne. C'est ça que fait, sur le chapitre 1 Timothée chapitre 3, l'abdi que yon moun qui nouveau converti, pas capable de diriger l'église de Dieu. Ça veut dire pour yon moun pasteur, faut qu'il ait expérience dans la foi chrétienne, donc faut qu'il connaît, faut qu'il passe par des épreuves. Donc c'est enseignement ça yo, qui m'a été porté pour nous aujourd'hui. Sous dossier l'Église, la saine doctrine, est-ce qu'il y a une forme capacité, différence entre biblique et doctrinale? Donc, si on voulait être en contact avec nous, numéro c'est 829-277-3857, pour but de prière et révélation et divine de la parole, et puis tout, conseil spirituel qui est capable d'aider nous. Que bon Dieu bénisse le peuple haïtien et qu'il bénisse chaque monde qui est en train là, Haïti, tankou à l'étranger. But pas nous, c'est prêcher l'évangile pour moun yo ka vin accepter Jésus-Christ, pour yo capable libérer de péché, pour nan yo ka rentrer dans ciel là. Encore une fois, nous pas dans politique avec personne, nous pas dans polémique avec aucun monde, mais sel bagay, nous pas appuyer faux prophète k'ap dévaliser peuple là ak fausse prophétie qui pas camper sous Bible là et puis k'ap fait toute bagay qui mal dans pays d'Haïti. Que grâce bon Dieu couvre nous, que le Saint-Esprit bon Dieu entre dans nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen et amen.